bonsoir, bienvenue. On a tout essayé, je vous propose ce soir, sur un plateau, Sophie Garel, Jean-Luc Lemoine, Perry Cochin, Jean Benguigui et Christophe Alévèque. Et inséparable, Christine Bravo. On vous a séparé. On vous a séparé, Christophe et Christine, parce qu'on a senti que vous commenciez un petit peu trop à être collés ensemble. Ça commence à jaser dans Paris sur Christophe c'est, et Christine. C'est gentil, maintenant on va se frotter contre moi. Je commence à être sourd de l'oreille gauche, surtout. Eh ben, je vais t'arranger le coup du côté droit, c'est ça. Ah oui, ça, je suis pas sûr que vous gagniez au change. Remarque. Ça change d'oreille. Ravi d'être à côté d'un petit jeune qui démarre. C'est très bien, on va lui donner des conseils, ce petit loup. Combien d'heures de coiffure pour en arriver là? Oh, une vie, monsieur. Ah, une vie entière sur la mèche. Une vie et un bon courant d'air. Mon petit Lemoine, tout va bien? Oui, mon petit Ruquier. Le PSG s'est qualifié en Coupe de France. Voilà, mais arrêtez de me résumer à ça. Il y a d'autres choses dans ma vie. Oui, mais un but contre son camp. Il y a quand aussi l'équipe de France. Et une nénette super gaulée. Quoi? Parce que les gens ne le savent pas, mais il a une jolie fiancée. Oui, parce que tout le monde croyait que j'avais été avec une moche. Dis-le, t'es amoureux, dis-lui. Allez. Mais c'est bientôt la Saint-Valentin. Mais c'est une nouvelle. Non, mais tu vois. C'est une nouvelle, ça fait plaisir. T'as vu l'ancienne, tu dis, ça peut pas être celle-là. Bon, bah alors, allez, je vais le faire pour vous. Roger, il t'aime. Bon. Et elle est comment alors ça? Eh bien, écoute, elle est vachement jolie. Ah ouais. Elle parle pas beaucoup. Non. Elle est beaucoup... Ça me soulage si tu savais. Allez, il est temps de passer à la photo du jour. Cette photo, c'est celle de l'affiche de Bambi, sortie, souvenez-vous, en 1942. On se souvient que le dessin animé avait à l'époque traumatisé des générations d'enfants quand la maman de Bambi meurt, vous savez. Et cette semaine, on a la suite qui est sortie. Il n'y a pas que les bronzés, il y a Bambi 2, le deuxième épisode. Regardez, ça risque d'être encore pire. C'est une vraie photo de Michael Jackson parue dans la presse, dans de nombreux magazines cette semaine, dans Paris Match, dans Le Point. Alors, on ne reconnaît pas bien Michael Jackson parce qu'évidemment, là, il est tout noir, ça nous change. Et on dit que c'est Michael Jackson dans les journaux, mais on n'est pas sûr, hein. Franchement, c'est vrai, ça peut être tout aussi bien Isabelle Adjani, franchement. Il a un enfant noir. Il a un enfant à côté de lui, quand même. C'est vrai. Ah. L'article laisse aussi entendre que Michael Jackson pourrait se convertir à l'islam. En fait, ça n'a rien de religieux, cette tenue, autant vous le dire, c'est juste en cas d'épidémie de grippe du moustique qui porte ça. Et alors moi j'ai un scoop. Ah. Ouais, parce qu'il paraît qu'après Johnny Hallyday, Michael Jackson pourrait lui aussi prendre la nationalité belge. Pas pour des raisons fiscales, c'est parce qu'il a repéré le mannequin Peace. Allez, on passe à la revue de presse des dessins humoristiques de la semaine et on commence avec les violences à l'école et ce dessin de Rançon dans Le Parisien. On voit deux profs, dont un peu cabossé. Il y en a un qui lui dit « Toi, t'es dans le public ou dans le privé ?» L'autre lui répond « Tu parles de l'enseignement ou de l'hôpital où je me fais soigner ?» Sur le même thème, le dessinateur Charbe dans L'Humanité. Les profs agressés. Retourne à ta place ou je convoque ton père, dit le prof. Et l'autre lui dit « Mais je suis le père. » François Bayrou nous montre qu'Herleroux est seul dans son parti, et ça c'est un argument de poids. L'UDF est le seul parti qui n'est qu'un seul candidat, François Bayrou. C'est vrai. La suppression de l'article 4 sur le rôle positif de la colonisation française maintenant. Et ce dessin de Schwartz dans Charlie Hebdo nous montre un Jacques Chirac qui a pris cette décision lui-même et il dit « il n'y a pas bon article 4 ». Dans Le Canard enchaîné, le dessinateur Potus nous montre un manifestant défenseur du fameux CPE, le contrat première embauche, sauf que c'est Sarkozy et pour lui, CPE, c'est contrat pour l'Élysée. Le sondage qu'a publié Le Figaro sur le président idéal que souhaitent les Français, un homme ou une femme de 50 ans, nous dit ce sondage, a inspiré Kiro dans Le Canard enchaîné. Voici le dessin, on voit Sarko qui regarde le sondage et qui dit « bah, il me reste plus qu'à épouser Ségolène ». On passe à l'OPA hostile du groupe indien Mittal sur Harceleur avec ce dessin de Cabu dans Le Canard enchaîné. Et on voit les ouvriers français qui disent « Non à Mittal, nous ne voulons pas devenir des travailleurs indiens !» Et le ministre breton qui répond « Et moi, je suis pas Mère Teresa hein. !»
Direction la Palestine, où le Hamas a largement remporté les élections législatives. Jules nous signe ce dessin dans Charlie Hebdo. Hamas au pouvoir, qu'est-ce que ça change? Ben, on les voit, ils disent maintenant on porte des cravates, sauf que ça se voit pas. Sur le même sujet, Cabu dans Le Canard enchaîné, de plus en plus de femmes parviennent au pouvoir, mais en Palestine, ça va être dur. La tempête déclenchée par la publication des caricatures du prophète Mahomet, nouveau ce dessin de Rançon dans Le Parisien. Aujourd'hui, on arrête de couper les mains des voleurs, dit l'imam, on va avoir assez de boulot avec les dessinateurs. Ça, c'est bien. Une réaction sur cette polémique, vous qui êtes de religion musulmane, chère Périane. Moi, je trouve que la liberté de la presse doit être préservée. Mais à côté de ça, il y a une raison pour laquelle je pense que les gens sont en train, enfin, les gens sont en train de s'indigner en dehors des extrémistes, parce qu'on a représenté une image de Mahomet, et la religion musulmane interdit les représentations d'êtres humains. C'est qu'avant les religions monothéistes, on adorait les statuaires, et donc pour éviter que les êtres humains adorent la statuaire, ils ont interdit les représentations humaines. Et donc, il y a une explication à ça, elle est là, mais c'est pas justifié, il faut pas aller aussi loin, je crois que c'est une connerie. C'est la liberté, je pense qu'il faut la respecter. France 2 prend tous les risques. Voici maintenant le visage de la Vierge, regardé en gros plan. Alors, blasphème, là, tu vas voir. Elle est tous en Vierge, c'est pas possible. Tu vas avoir des histoires, tu vas présenter elle comme Vierge. C'est du blasphème, ce que tu viens de faire. Le dessinateur Grosse, dans Marianne, maintenant, nous donne des nouvelles de la greffée du visage. Souvenez-vous, elle a annoncé qu'elle s'était remise à fumer. Et il y a le médecin qui lui dit d'accord pour se remettre à fumer, mais si vous voulez, franchement, ne reprenez pas de chien. Du chien au chat, il n'y a qu'un pas. On termine donc par Philippe Geluck dans VSD. Et on voit son chat qui nous dit « Tous les enfants nés par fécondation in vitro doivent se dire que leur père est un branleur. » Et un dessin maintenant en trois cases. Je préviens, ça c'est pour Christine, pour qu'elle rigole pas dès le premier. Donc première case, on voit le chat qui dit « Dans les mots longs, on a plus d'occasion de faire des fautes d'orthographe que dans les mots courts, ça c'est sûr. Mais si on en fait des fautes d'orthographe dans un mot court, c'est plus grave que dans un mot long. Même que si on fait une faute dans un mot d'une ou deux lettres, ça devient carrément un autre mot. C'est le journaliste et académicien Jean-Marie Rouard qui va nous rejoindre maintenant sur ce plateau, puisqu'hier est sorti Le Scandale, son dernier roman, paru chez Gallimard, collection Blanche. Récompensé à de multiples reprises par les prix les plus prestigieux, Jean-Marie Rouard, qui est aussi académicien français, nous plonge cette fois-ci au cœur de la société américaine, puritaine et ultra-conservatrice des années 1930. Sophie Garel a lu pour nous ce scandale. Avant de vous donner la parole, Sophie, accueillons tout de suite l'académicien Jean-Marie Rouard. Bonjour, bienvenue. Sophie a lu ce scandale, je l'ai dit, qui nous plonge dans les années 1930 aux États-Unis, au cœur du racisme, de la prostitution, aussi d'une histoire d'amour quand même. Sophie. Oui, je sais pas ce qui vous a pris. C'est un livre qui ressemble pas à Jean-Marie Rouard. J'en ai lu quelques-uns. C'est un livre totalement américain. Ça se passe dans une ville du sud des États-Unis, et à Norfolk. Et là, ça démarre sur un viol d'une jeune noire par quelques jeunes gens un petit peu éméchés, qui non seulement viole, mais en même temps la tue. Et bon, on va pas faire un foin pour tout ça. Le héros dans cette histoire, qui a un petit peu vu cette histoire de viol et qui pourrait s'en mêler, le héros est un garçon aussi de bonne bourgeoisie américaine, avec des parents bien à œillères. Il s'appelle Jim et il se trouve que lui, il fait un péché dramatique, c'est qu'il est amoureux d'une femme noire, d'une jeune femme noire. Mais une passion formidable, passion qui va nous permettre d'avoir quelques pages extrêmement chaudes. Qui m'ont beaucoup plu et beaucoup ému. Donc je vous félicite, monsieur l'Américain, vous n'avez pas oublié les leçons françaises. Et donc ce héros, on sent
dès le départ qu'il va y arriver des bricoles et qu'il va avoir des emmerdes parce que à cause de cette liaison. Donc il est montré du doigt, tout le monde, hein, et on l'écarte, on l'envoie faire des études à Boston, on le marie à une jeune fille de bonne famille. Elle, la fille, on l'enferme dans un bordel. Et c'est une horreur. Et c'est un bouquin qui effectivement remue toute cette période terrible qui, hélas, a encore quelques relents à notre époque, mais qui était terrible à cette époque-là. Le seul reproche, alors c'est écrit comme du Roar, le français, j'entends, hein. comme Roar le français, c'est-à-dire c'est fluide, c'est facile, c'est simple, on lâche pas le bouquin, les personnages sont tous extrêmement intéressants, que ce soit le métis, que ce soit le curé, que ce soit le journaliste, enfin, tout le monde est intéressant. Mais j'ai simplement eu la sensation... Il y a un mais, hein, voilà, d'avoir déjà lu ce livre. C'est-à-dire que l'histoire est intéressante, mais j'ai l'impression... qu'on l'a déjà écrite. Le contexte est effectivement passionnant, il est toujours à l'ordre du jour, mais on en a parlé et reparlé. C'est le seul petit reproche que je ferai à M. Roar, l'Américain. Ça, c'est le pavé qui arrive après les roses. Alors, c'est terrible. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, pour la critique, pour toutes les éloges, je suis d'accord. je les accepte. Pour la critique, vous savez, je crois qu'il y a si longtemps que les hommes écrivent, comme disait La Bruyère, je crois qu'on apporte... Moi, j'ai essayé d'apporter mon univers. En tout cas, c'est peut-être parce que vous aviez trop lu de livres de moi. Vous avez retrouvé... J'ai une vie personnelle, d'où cette impression, peut-être, de... C'est vrai que c'est mon univers, parce que... De déjà lu. Voilà, de déjà lu, au lieu de déjà vu. Mais néanmoins, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ce caractère éternel de ces drames. Et à la description, ce que vous venez de faire... Vous avez bien compris pourquoi je l'ai fait aux États-Unis, pourquoi je ne l'ai pas fait en France, parce que jamais ça ne pourrait arriver. L'histoire des disparus de Lyon, ça n'a jamais existé, l'histoire de l'OTS, ça n'a jamais existé. En France, la justice fonctionne parfaitement, l'affaire Omar Haddad, ça n'a jamais existé. Et ce qui m'intéressait, c'était de saisir l'essence de la justice, parce que nous souffrons tous d'un sentiment d'injustice, parce que c'est un sentiment aussi fort que l'amour. Nous attendons, nous avons une aspiration à la justice qui est immense, et il y a un malheureux appareil judiciaire qui ne peut pas correspondre. On sait que c'est un sujet qui vous tient à cœur. On va rappeler, pour ceux qui l'auraient oublié, que vous êtes un des ardents défenseurs d'Omar Haddad, le fameux jardinier accusé d'avoir tué la veuve Marshall. Vous avez été une des grandes signatures qui a pu défendre ce jardinier qui est en liberté maintenant. Oui. Mais son procès n'a jamais été révisé. Voilà, c'est pour ça qu'on peut s'étonner de voir que le président Canivet, le président de la Cour de cassation, qui a dit l'autre jour dans un grand discours qu'il rendait la justice avec des mains tremblantes, on est ravis d'entendre ça. Mais ce qu'on aimerait bien, c'est que, vous savez qu'il y a eu 5 révisions depuis 1945. Bien, alors, au lieu d'avoir les mains tremblantes, il ferait mieux de réviser. Le futur président de la République, on ne sait pas qui ce sera, ou la future présidente de la République, puisqu'on parle beaucoup d'une femme maintenant, il ou elle vous appelait en disant « Monsieur Roar, est-ce que vous voulez devenir garde des Sceaux, vous accepteriez ?» Non, mais je crois que je suis dans mon rôle d'écrivain et d'écrivain français, parce que les écrivains français, bizarrement, se sont toujours intéressés aux problèmes de justice. Je crois que c'est profondément humain, c'est parce que les écrivains sont humains, et bien qu'ils sont les porte-parole de tous ceux qui ne peuvent pas s'exprimer sur ces problèmes et qui l'évoquent. Le scandale, alors on revient au contenu du livre, Christine l'a lu aussi alors. Je suis comme Sophie, c'est un livre que j'ai déjà lu, souvent, mais, que je ne me lasse pas de relire. Finalement, moi j'ai lu vos autres livres, et j'ai pas toujours aimé Roar, c'est-à-dire... C'était trop pour moi en poulet, trop pas mon... On n'a pas le même style, quoi, vous voyez bien, je veux dire, vous... Ça se voit pas trop. Et là, effectivement, c'est la première fois que je lis le livre d'un Français. Et on est dans le Sud, quoi, ça sent les odeurs, ça... On voit cette noire, Angela, il décrit même son sexe, alors... c'est assez... C'est tout ce que t'as retenu. Non, voilà. Non, mais... Bien aimé, ça. Mais oui, parce que ça m'a étonnée de Roar, si tu veux. Et quand il dit que quand il met sa bouche dessus, ça l'écorche parce qu'elle a les poils... Enfin, à mon avis, il ne l'a pas dit comme ça. Hein. Je pense que c'était nécessaire de préciser. Il dit qu'elle a un sexe râpeux. Elle a un sexe râpeux, en plus, qui a un goût de mangue, si je me souviens bien, de mangue mûre. Elle a une maladie, là-bas. Oui. La mangue mûre, c'est pas normal. On s'emmerde pas, l'Académie française. Je crains qu'après cette description, je me fasse encore virer. J'ai déjà été viré 2 fois de Figaro, si en plus je me fais virer de l'Académie. On peut pas être viré de l'Académie française, vous le savez bien, maître. Et Jean-Marie, donc... On peut être viré.
Et donc, je vous dis, si vous êtes fasciné par Martin Luther King et par l'histoire des droits des Noirs, il faut commencer par ses livres de 1930. Et c'est formidable, si on n'a pas envie de lire les vieux... On est au cœur de la ségrégation voilà, raciale. C'est formidable, voilà. Perry Cochin. Alors, écoutez, en lisant votre biographie, j'ai relu à trois fois la phrase qui disait que vous aviez loupé votre bac... un nombre incalculable, 5 fois recalé au bac. Je dis, c'est pas possible. Ça, déjà, ça aurait dû leur donner des doutes au Figaro. Mais oui. Non, mais c'est surtout je me suis dit, mais c'est pas possible. Ils ne le savaient pas. Oui, et ensuite... On accepte des cancres à l'Académie française. C'est... Votre premier roman est refusé 13 fois. Oh, non, mais vous êtes très jeune pour être académicien. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors... Écoutez, je n'en reviens pas. Ah bon? Je me pince. Et quand j'ai été élu à l'Académie... Je voyais Lévi-Strauss, je voyais tous ces professeurs au Collège de France, Jean d'Ormesson, toutes ces gloires. Je disais, ma parole, je rêve, je vais me réveiller, mais tout oui. Ça va s'effacer, je vais me retrouver en train de rater encore mon bac. Oui. Et c'était pour ça. Je crois que j'étais protégé. J'étais protégé par ma mère, par des fées, par des femmes et par peut-être des divinités, je ne sais pas. C'est très curieux parce que c'est un miracle qui me sert beaucoup, parce que quand j'ai raconté dans un livre que j'avais raté mon bac, maintenant, j'ai toute une clientèle de mères de famille oui. qui viennent me voir et disent « je suis très intéressée de lire mais votre oui, livre, mais c'est vrai. Parce que mon petit dernier est nul en classe, oui. je voudrais savoir comment on peut rentrer à l'académie. » Jean-Luc, moi aussi je me suis plongé dans votre bio et c'est vrai qu'il paraîtrait qu'après le refus de 13 éditeurs, vous avez songé au suicide. Moi, je comprends ça parce que quand j'étais recalé à Graines de Star, j'avais aussi bien les boules. Donc ça, je comprends ce genre de déception. Mais et vous disiez aussi que finalement, vous faites partie donc de la famille de Paul Valéry, de bien d'autres artistes. Est-ce que vous avez songé au suicide parce qu'il y avait une pression familiale ou est-ce que c'est vous qui vous l'imposiez cette pression? Non. Vous savez, moi, j'ai un peu parlé de ma famille, mais j'ai horreur des gens qui parlent de leur famille. Je considère que ce qui compte, c'est ce qu'on fait soi-même. Alors, tant mieux, c'est vrai, si on a eu des arrière-grands-parents qui étaient amis de Degas, de Valérie, tout ça. Mais c'est pas beaucoup, pour moi, c'est pas très important, parce que ma vraie famille, ce sont les écrivains. Donc, j'ai une famille immense. J'ai toute la famille des gens qui sont aspirés, qui sont attirés par l'esprit. Donc, ma propre famille, elle ne m'écrasait pas, pas du tout. Au contraire, simplement, pour le suicide, c'est un problème personnel. Je crois que quand on est adolescent, et j'ai toujours eu le sentiment de l'échec. Et je l'ai toujours, sauf aujourd'hui où je suis ici, ce qui est une consécration, évidemment. Une panthéonisation extraordinaire. C'est bien mieux que rentrer à l'académie. Oh, il se fout de nous en plus. Un petit peu. Il se fout de nous. Pas du tout. Eh bien, mais c'est vrai que j'ai toujours... N'achetez pas le livre de Jean-Marie Roy. J'ai toujours eu le sentiment de l'échec et le sentiment de... l'impermanence des choses et de me dire on a un peu de chance et puis cette chance disparaît. Ça va bien parce que moi je l'ai eu du premier coup mon bac. Hein, et oh. Bon. Alors quand est-ce que vous présentez? Christophe Alévèque. Moi aussi je l'ai eu du premier coup avec la mention bien. Voilà. Et tu vas finir à l'Académie des Neufs. Non. C'est normal, je suis intelligent. Alors, donc c'est bien de passer en dernier parce que j'ai plus rien à dire. Alors... Un mot sur la peinture, puisqu'il y a une exposition qui... À Boulogne-Billancourt en ce moment. Ah, vous l'avez vu déjà? Je l'ai vu, c'est une exposition magnifique au musée des années 30. C'est le papa Boulogne. De Jean-Marie Roy. Et c'est Augustin Roy. J'aime beaucoup, c'est un réalisme poétique. Et d'ailleurs, ça s'appelle le réalisme magique, cette exposition. C'est à Boulogne, au musée des années 30, jusqu'au 5 mars. Et c'est aux éditions d'art Somogy. Voilà, on vous remercie Jean-Marie Roy. Merci. Vous êtes venu pour votre livre, Le Scandale. C'était aussi l'occasion de parler de votre père, le peintre Augustin Roy. Merci à vous. Merci beaucoup, merci. Ce week-end, 600 jeunes de la région parisienne ont passé des tests pour la sélection des ramasseurs de balles pour le prochain tournoi de Roland-Garros qui débutera fin mai. Oui, parce que n'est pas ramasseur de balles qui veut. Il faut répondre à un certain nombre de critères, comme par exemple, en tout cas en France et pour Roland-Garros, mesurer moins d'1m75. Avoir des mains. Voilà, avoir des mains, évidemment. Ne pas porter de lunettes ou de lentilles de contact. Par ailleurs, il faut aussi être rapide pour être ramasseur de balles, oui. Endurant, résistant, adroit. Bref, il y a beaucoup de ramasseurs de balles qui ont laissé tomber le métier pour devenir tennisman parce que c'était moins fatigant. Nous allons tout de suite accueillir le responsable du service ramasseur de balles de la Fédération française de tennis. Il organise des stages de formation. Voici monsieur Rida Ben Salah. We'll be right back.
ça, vous pourrez aller. Vous serez prêt pour aller ramasser des balles à Roland. Ils sont déjà tous sélectionnés, les petits ramasseurs de balles pour Roland Garros? Ah oui, là, on a eu 2500 jeunes qui sont passés en sélection. Il y a 450 parmi eux qui vont passer à partir de la semaine prochaine à un stage de formation. Sur les 450, il n'y en aura que 250 qui auront l'honneur de venir ramasser des balles à tous les champions. Et qu'est-ce que vous pensez de la précarité? Parce qu'ils vont faire tout ça pour être éliminés et être virés après Roland Garros. J'ai parlé de la taille, moins d'1m75. J'ai parlé des lentilles de contact, il fallait qu'ils aient une bonne vue, ça paraît assez évident. L'âge, quel âge ils doivent avoir? Entre 12 et 16 ans. Donc aucun parmi vous ne pourra faire un. Entre 12 et 16 ans. Bon élève, parce qu'ils doivent s'absenter de l'école. Exactement, et c'est le cas. La majorité de ces jeunes sont très bons élèves parce qu'ils doivent manquer entre 2 et 3 semaines. Garçons ou filles? C'est les deux, y a pas... chez nous c'est pareil. Filles ou garçons. Est-ce qu'ils sont payés 2 balles? Vous savez, ils ne font pas ça pour être payés. Là, y a ils font ça pour voir des grands joueurs à côté d'eux. Exactement. Et alors, il paraît qu'il y a des joueurs, vous leur apprenez ça aussi, qui ont des petites manies, des tics. Ils apprennent chaque tic, chaque manie des joueurs qu'ils vont approcher parce qu'il y a une façon de leur envoyer la balle qui peut être différente en fonction de savoir si c'est, je sais pas moi, Agassi, Nadal ou un autre. Exactement, on ne ramasse pas Agassi comme on ramasse Laurent Ruquier en tennis ou en squash. Ça. Alors. Les petits, c'est vrai que les joueurs ont des petites manies, ont des petits trucs à eux. Ils aiment bien que le petit ramasseur de balles derrière comprenne exactement ce qu'ils veulent. Il y a le joueur qui veut la balle avec laquelle il vient de gagner un service. Et le gamin, il faut qu'il sache parfaitement bien. Et ça dure très vite. Hein. C'est quel très, genre très de manie d'autres joueurs? Agassi, par exemple, quand il va doucement sur le jeune, il n'a pas intérêt, le jeune, à lui donner la balle tout de suite. Ah. Il faut qu'il l'attende parce qu'il a besoin d'attendre. Quand il voit que Agassi accélère avec ses petits pas, c'est qu'il ne faut pas le faire attendre. Lui, il veut en même temps et la serviette et la balle. Et il faut que l'enfant lui donne la serviette et balle, il se remet rapidement à sa place. Amélie Mauresmo, par exemple. Elle est sympa, elle est cool avec nous. Pas d'exigence particulière. Pas d'exigence particulière. À Madrid, ils ont essayé un truc formidable à Madrid. Ouais. Ce tournoi, ça a beaucoup fait parler, c'était il y a un an à peu près. Bien, ça. Ils avaient engagé des mannequins, des top modèles, pour redonner la balle, des ramasseuses de balles mannequins. Oui, c'était un coup de pub. Moi, j'aurais fait la même chose, mais je les aurais d'abord appris au moins les règles du tennis, qu'elles ne doivent pas bouger, qu'il faut aller vite pour donner les balles et tout. Et la jette comme ça, oui. Agassi, il les trouvait bien, sauf qu'il disait qu'elles étaient un peu lentes parce qu'elles n'avaient pas de shorts. Christine. C'est vrai qu'il y a certains joueurs qui veulent rejouer avec la balle avec laquelle ils ont marqué un point. Vous avez même des joueurs superstitieux qui ne veulent des balles que de ramasseurs à droite ou à sa gauche. Jean-Luc. Il faut savoir que beaucoup de champions ont commencé comme ramasseurs de balles. Et je voudrais savoir, parce qu'il paraît qu'en France... Nastas, Pioline, voilà, on est très très performant au niveau ramassage de balles en France. Est-ce que c'est pas ça le problème du tennis français? Est-ce qu'on devrait, au lieu de leur apprendre à ramasser, est-ce qu'on devrait pas leur apprendre à renvoyer la balle? Vous savez, contrairement à ce que vous pensez, actuellement on a des jeunes qui arrivent, ils vont faire très mal bientôt. Il y a un jeune qui vient de super. Super, super, vous allez voir, vous en entendrez parler de... Non, c'est vrai qu'un ramasseur de balles, c'est un poste superbe d'observation, et c'est ce qu'on dit. Et peut-être que parmi nos ramasseurs de balles, il y a 2 ou 3 ans cette année, il y aura peut-être des futurs champions. Et est-ce que des joueurs font des cadeaux aux ramasseurs de balles de temps en temps? Oui, ils font beaucoup de cadeaux, ils leur offrent des raquettes, des tenues. Sophie? Est-ce qu'un joueur a déjà perdu à cause d'un petit garçon qui ne donnait pas la balle à temps? Non, à ma connaissance, jamais un joueur n'a perdu à cause... Donc ils sont inutiles? Non, inutile, non. Mais il peut perturber éventuellement le joueur s'il est vraiment concentré. Sur un point important, ce serait embêtant. C'est sûr qu'un ramasseur de balles ne donne pas la balle quand il faut, ou il bouge surtout. Mais malheureusement, et heureusement pour nous, toute cette formation-là qu'on fait, c'est dans ce sens-là, pour qu'il n'y ait pas vraiment de gêne. Et aucun joueur n'a été gêné par nos ramasseurs. Ça, c'est pour Roland Garros. À Wimbledon, on prenait des petits orphelins, il paraît. Ben oui, je ne sais pas s'ils le font encore, mais... C'est vrai. Ouais. Pourquoi et aux États-Unis, on prend des militaires. Des militaires? Des militaires et des salariés. Quoi? Pourquoi on prend pas des chiens? C'est vrai que mon chien. Rapporte la baballe. Mon chien, par exemple, mais une balle de tennis. Nos pauvres petits, vous les réduisez à un chien. Je te jure, c'est extraordinaire. Mon chien, mais il y aurait une balle de tennis cachée quelque part. Vous lancez, mais il la trouve toute. C'est vrai. Ah, mais c'est fou. C'est ça qui est bien. Est-ce qu'il te la renvoie bien? Oui, tu lui dis lâche, lâche, il lâche. Bon, il faudrait que. Voilà. Ah, mais pourquoi pas? J'ai vu le prêter. Je l'inscris l'année prochaine. Pas de problème, il vient passer la sélection. Non, j'aimerais qu'on fasse, parce que voilà, on est content pour ces ramasseurs de balles, ça y est, on espère qu'ils vont bien être formés pour prochain Roland-Garros. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qui pourrait être le meilleur ramasseur de balles parmi mes 6 chroniqueurs. Et déjà, au niveau âge, ça va être dur, parce qu'ils ont dépassé. Non, mais imaginons qu'ils n'est pas désagréable, monsieur, s'il vous plaît. Alors, allons-y. Quel genre de test on peut leur faire passer, par exemple? Très bien. Et je vais vous envoyer une balle sans que vous me regardez. Hop. Ah, il faut super, pas regarder. Super. Voilà. Qui a inventé le code? Alors, après, la manière de se mettre comme ça, le rouler. C'est ma femme.
j'ai connu ma femme il y a 20 ans, et elle est prof de PS, et elle me voyait faire des trucs, elle m'a dit c'est un peu brouillon. On va essayer de faire un truc et tu verras, ça va beaucoup plaire. Bon, allez, et lance oui, la baballe, lance la baballe. C'est une dame. Ah allez, on refait les tests. Ah voilà. Tu m'as. Il a essayé de me choper. Allez-y, allez, mettez, allez, 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 allez-y, les chroniqueurs, qu'on voit un petit allez, peu les meilleurs. Allez, 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 hop, hop. Ah elle a du mal à arrêter les balles. Non, arrête. Va te faire un trou de balle. Ils sont malades. Ah ouais, 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 ça c'est drôle, ça. Oh, tu m'as bougé. Mais ça peut faire mal. Arrête. Mais arrêtez. Je suis super dangereux. Ouais, on est ramasseurs de balles. Mais ils sont malades. Là, vous avez un ancien ramasseur qui est là dans le public. Aïe. Hop. Mais c'est ça. Aïe, je sais là. Mais... Il n'y a pas un foutage de gueule, là. Non, du tout, du tout. Dès qu'elle se relève. C'est con. Mon femme est malade. Sage, vous vous êtes entendu avant. Oh non. Totalement improvisé. Faut qu'on mette des règles. Alors, une doune, c'est 30 points. Arrête. On va vous remercier. Écoutez, c'est pas le bordel comme ça, vous, avec la formation des... Ah, non, non. Non, ça se passe pas comme ça, ça se passe beaucoup mieux. Rida. Et heureusement pour les joueurs. Ça démarre quand, Roland Garros? Pour les jeunes, ça démarre déjà à partir du mardi 23 mai. Oui. Et le tournoi démarre le 29 mai. Tournoi de Roland Garros à partir du 29 mai. On va vous remercier, monsieur Rida Ben Salah, d'être venu nous parler. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Notre dernière invitée pour ce soir, c'est la gagnante de la 4e édition de l'émission La Nouvelle Star. Vous la connaissez peut-être si vous êtes jeune et que vous avez suivi cette émission d'M6. Les jeunes l'adorent. Christophe Alévèque l'adule. Elle s'appelle Myriam Abel. C'est la première fille à avoir gagné dans cette émission. Et son album La Vie Devant Toi vient tout juste de sortir chez les bons disquaires. Le premier single extrait de cet album est lui aussi disponible. Ça s'appelle Donne. C'est une chanson qui a été composée par Lara Fabian et Jean-Félix Lalanne. La chanson est un vrai succès déjà. En revanche, je ne sais pas s'il y a un lien, mais Jean-Félix Lalanne et Lara Fabian ont rompu, d'après ce qu'on peut lire dans la presse. Peut-être qu'elle pourra nous en dire plus. Voici Myriam Abel. Bonjour. Ah, je vais faire la bise. Moi, je veux bien la bise. C'est pas de votre faute, hein. Vous n'y êtes pour rien si ça se passe plus très bien entre Lara Fabian et Jean-Félix Lalanne. Bah, je sais pas si c'est vrai, mais... Ah, c'est peut-être pas vrai. Ouais. Donnez-nous un scoop, rien. Vous savez, vous, sûrement, alors. Bah, moi, je dis que c'est pas vrai. On va revenir à l'album de Myriam Abel, La Vie Devant Toi. Et regardez un extrait du clip. Un extrait du clip de la première chanson sortie de cet album. Donne, Myriam Abel. Même si j'ai douté plus d'une fois, je n'ai jamais diffusé, hein. Ouais. C'est pas mal parti, faut dire. Vos fans, en tout cas, ceux qui vous ont suivi dans l'émission d'M6 ont attendu longtemps avant de l'avoir cet album, mais là, voilà, ils sont pas déçus, ça y est, c'est fait, il est enfin sorti cet album, et cette première chanson marche plutôt bien. Je sais même qu'Adeline, la compagne de Jean-Luc Lemoyne, adore déjà Adeline. Et chante déjà. Ah, je suis tellement content que vous révéliez toute ma vie privée. Adeline. Je ne savais pas que tu avais une nouvelle copine. Adeline. Ah oui, Adeline. Adeline. C'est ta copine. Yeah.
C'est vrai, Laurent, que j'avais le choix entre Adeline et Bécassine. Alors, Jean-Luc. Ah ben moi, moi, je vais vous dire franchement, je regardais l'émission et j'aime beaucoup votre voix. Donc, vous pourriez chanter la danse des canards, ça me plairait. Et maintenant, je trouve que c'est très bien produit, très efficace. C'est pourquoi vous, Marie, la parlez à tous les deux? Parce que tout d'un coup, j'ai constaté qu'on avait l'impression d'avoir les Dalton devant nous. C'est-à-dire? Vous avez vu vos gueules là-bas? Quand on sait que le grand, c'est le crétin, je vais être comme ça. Avril! Moi, je suis méchant comme la tanière, c'est vrai. Mais, écoute, la question que je voulais vous poser, c'est que vous avez fait... Il y a le copain d'Adeline qui parle. Toutes les émissions... Vous enchaînez les émissions. Toutes les émissions de télé, les possibles... On n'a pas fini avec ça, mon ami. Je veux passer à la télé, vous avez gagné. Finalement, ça n'a pas rapporté énormément. Graine de Star, vous êtes sélectionné. Ils changent de politique, ils prennent que des jeunes. C'est vrai. Vous faites la Nouvelle Star, vous êtes recalé la première année. Vous faites Nouvelle Star, vous gagnez. Et votre album ne sort pas. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit à un moment que vous aviez la poisse? Pas du tout. Non, non, non. Vous n'avez pas eu peur à un moment? Non, pas du tout. C'est pas avoir la poisse. C'est simplement que quand j'ai fait le casting de Popstar, le problème, c'est que ça faisait déjà des années que j'étais sur Paris, que j'en faisais mon métier. Et lorsque je remplissais les formulaires et qu'on me disait « quel est ton métier ?», je marquais « intermittente du spectacle ». Et les présidents du casting me disaient tout le temps « désolé ». On prend des débutants. Désolé, on prend que les débutants et tu es intermittent du spectacle, on ne te prend pas. Et la seule émission qui ouvrait la porte à tout le monde, c'était la Nouvelle Star. Donc voilà. Sophie Garel. Alors moi, ce qui m'a plu le plus dans votre biographie, c'est que vous êtes très maniaque et que vous faites le ménage du matin au soir. Donc ça, déjà, je vous trouve sympathique. Voilà, vous êtes... je vous trouve plutôt sympathique. Alors... Sophie, vous avez les seins qui pointent. Non, non, mais ça... Mais oui, depuis le début. J'ai pas osé le dire. Avec les yeux, depuis que j'ai changé de place, hein. Vous auriez pu... Alors, ce que j'ai bien aimé chez vous, c'est qu'effectivement, d'abord, vous ressemblez à toutes les autres, pour moi, j'entends, parce que toutes les semaines, on me montre une petite jeune fille délicieuse, qui chante bien, qui est belle, qui est sûre d'elle, qui a du charme. Bon, je me dis, ben, encore une, mais c'est qui? Je me dis, comment vous allez pouvoir manger? J'ai la peur pour vous. Vous avez déjà le produit pour nettoyer, mais comment vous allez pouvoir manger? Est-ce que ça va tenir? Mais pourvu que ça marche longtemps, pour vous, pas un seul disque, pas une seule fois, on a tout essayé, que ça continue. Je vous le souhaite, ma chérie. Merci. Mais nettoyez bien dans les coins. Hein. Mais moi j'ai juste un truc à dire. Allez-y. Juste un truc à dire, c'est que les gens pensent que les artistes qui passent pas à la télé ne gagnent pas leur vie. Moi j'ai juste un truc à dire, c'est que ça fait 7 ans que je vis à Paris, ça faisait 7 ans que j'en faisais mon métier et je gagnais très très bien ma vie en faisant ce métier-là et aujourd'hui je gagne moins bien ma vie qu'il y a 7 ans en arrière. Faut pas mentir non plus, moi je gagne mieux ma vie depuis que je suis à la télé, hein. Franchement. Je sais, mais dans les chanteurs, enfin dans le métier de chanteur, moi je suis désolée, en étant intermittent du spectacle, en chantant tous les soirs, en chantant partout, je gagnais bien ma vie. Et les gens, quand ils pensent qu'on passe à la télé, tout de suite... C'est bien de dire ça. Périane. Oui. Alors, moi, ce qui m'a surpris, c'est les thèmes que vous abordez dans ces chansons. Vous avez dit que c'était des chansons qui vous ressemblaient vraiment. Et je vois pas tellement comment vous pouvez dire ça. Parce que la première, par exemple, vous parlez d'amour et surtout du temps qui passe, de la durée, qu'il faut s'accrocher. Enfin bon, c'est une très jolie chanson, mais qui ne correspond absolument pas à votre âge. Moi, aujourd'hui, je sais pas écrire ni composer, donc... La seule chose que je sais faire, c'est chanter. Et quand on me propose un texte, quand je le lis, ça me plaît. Et le seul truc que j'avais envie de dire, c'est aborder des thèmes positifs. Et, parce que j'ai 24 ans et que j'ai pas envie d'aborder des thèmes... Oui, mais c'est des thèmes pour négatifs. Des gens qui ont vécu en couple très longtemps ou mais qui ont l'usure du temps, parce que vous parlez de l'usure du temps. Or, c'est pas le cas, c'est pas votre cas. D'ailleurs, vous avez trompé votre petite amie. C'est pas bien. C'est quoi cette histoire, là? Non, je sais pas. J'ai lu que vous étiez avec un garçon maintenant depuis un certain temps, mais que. Celui-là, je sais pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette émission? On révèle la vie privée de tout le monde. Je peux parler de la tienne. Ah, ben moi, je suis comme ça, donc on peut en parler. Mais oui, il y a pas de l'équipe de rugby. Donc. Mais c'est grave de dire des choses comme ça. C'est écrit, c'est vous qui l'avez déclaré, hein, c'est pas moi. Vous avez fauté, vous l'avez dit, j'ai fauté. D'accord, mais je suis partie. Oui, pas, mais non, mais c'est bien, non mais... C'est voilà. Non, mais c'est très bien. Oh, bien. Bon, enfin, non,
Alors, ce que je veux dire, on s'en fout, on s'en fout du détail. Et alors, vous me trompez encore, le nouveau? Mais c'est atroce, ce que vous faites. Mais c'est incroyable. J'exige que ça cesse. Bon, d'accord. C'est pas n'importe quoi. Bon, rectifiez. Non, je rectifie. J'ai vécu pendant 8 ans avec la même personne. Et le jour où j'ai rencontré une autre personne, je l'ai quittée. Et je lui ai dit la vérité. Voilà, le jour où j'ai rencontré cette personne, je l'ai quittée. Je lui ai dit j'ai rencontré quelqu'un d'autre et il faut s'arrêter. Christine, qu'est-ce que vous voulez que non, c'est pas mon style de musique. C'est pas du tout mon style de musique, mais c'est un petit taureau du mois de mai comme moi, une fille de maçon, Mustapha comme moi. Enfin non, mon père, non, mais je sais pas, mon père s'appelle pas Mustapha, mais s'appelle Antonio, donc. Donc c'est pareil. Entre Mustapha et Antonio. C'est pareil. Allons-y. C'est pareil, elle est courageuse, c'est... Ça, c'est pas pareil. Une nanette et qui en veut. Elle est blonde, comme toi. Voilà, elle est mince, comme toi. Et... Non, je suis pas mince. T'es grosse? J'ai des formes, quand même. Non, je suis pas mince. Ah ben alors, comment tu fais? Parce que tu fais pas grosse du haut. Je cache bien. Ah, tu caches bien. Eh oui, moi, c'est ça, mon problème. Quoi? Elle y arrive. Tu caches rien du tout, toi. Et alors? Alors, bon, j'aime bien la chanson d'Onne. Et c'est vrai que je suis un peu comme toi. Je me dis, il y en a des jeunes filles qui chantent bien, des jeunes qui arrivent sur le marché. Mais quand même, j'aime vraiment beaucoup votre voix. Est-ce que c'est possible, quand on a cette voix-là, ce talent-là, de faire quand même des trucs un peu moins standardisés ou est-ce qu'on vous l'impose ou... Non, franchement, j'ai eu de la chance et on ne m'a pas imposé quoi que ce soit. C'est vrai que les chansons qu'il y a sur cet album, c'est des chansons qu'on m'a fait écouter, qui m'ont plu et que j'ai voulu chanter. Ah, mais je t'imagine avec un peu de faire du blues, du jazz. Elle chante très très bien, paraît-il, les standards américains. Fitzgerald. Vous pouvez pas nous faire là comme ça en live a cappella pour notre public, pour France 2 qui vous connaît un peu moins que les téléspectateurs d'M6, qui donnerait envie d'aller vous voir sur scène, par exemple, quand vous allez en faire. Je chante quoi J'ai un petit blues, un petit truc, tu vois. What you want, baby, I've got it. What you need, you know I've got it. And all I'm asking, it's for a little respect when you get home. Yeah, baby, when you get home. Yeah. Ça calme. Ouais, ça calme. Christophe Lévesque. Bah pareil. Hein, toi, t'es payé pour répéter maintenant tout ce qu'on dit. Mais non, mais tu. Alors, il m'a payé moi. Non, mais le problème, c'est que tu veux que je passe en dernier, moi. Donc, tout a été dit. C'est vrai, c'est qu'à un moment. Ah, attendez. Là, il vient de dire un truc. Alors là, elle vient de dire un truc qui va arrêter tout ce que vous allez dire parce que ça va vraiment vous faire plaisir. Elle me glisse dans l'oreille, mais c'est un chanteur lui aussi. Oui, alors, oui, oui, je... Il a un groupe de rock. Effectivement. Il a un groupe de rock. J'ai un groupe de rock. Bon, c'est, au niveau des paroles, bon, c'est pas pareil, hein, c'est un peu différent. Mais vous faisiez un duo, tous les deux. Mais pourquoi pas? Voilà. Moi, je dis bravo, continuez. Et alors, bon courage. Et je vous souhaite de faire plein d'enfants. D'avoir un mari qui obéit. D'avoir une vie sexuelle remplie. Et voilà. Hein, je crois qu'on a fait le tour. La vie devant toi, c'est l'album de Myriam Abel. Restez encore avec nous, voici Jérôme Bonaldi. On parle de la TNT, cher Jérôme, la télévision numérique terrestre. Et on vole au secours de la victoire, ça marche, mais ça marche, la TNT. Une télévision numérique terrestre, il y a 50% du territoire qui est couvert, c'est une nouvelle façon de voir la télé, ben l'un d'autres chaînes, toutes les chaînes existantes plus d'autres, et il y a 1 700 000 adaptateurs. Il faut tout ça à la maison pour non, que ça marche. Non, justement, le truc de la TNT, c'est que c'est très simple, l'adaptateur, il vaut, aujourd'hui, j'ai regardé les prix, il y a des moins chers à 60€. 60€, vous le foutez d'un côté... Vous non, le branches, tu à la télé, tu le branches, tu le cliques d'un côté, tu le cliques de l'autre, ça marche. Ça marche très bien. La preuve, c'est que de plus en plus de gens font les trucs malins avec la TNT. Tenez par exemple ceci. C'est un petit téléviseur mobile complètement qui marche à pile. Avec une simple pile, j'arrive ici, je mets une antenne comme ceci, pof, vous recevez la télévision. Enfin, tout à l'heure, je vous jure, il y a 300 personnes qui sont témoins ici tout à l'heure, ça marchait. Voilà, je vous jure. Attendez, vous dire que ça, on n'a pas à le brancher nulle part. Non.
si on n'a pas de télé chez soi, on peut quand même avoir ça. Exactement, bon. Exactement. On a France 2, France 3, France 4, Direct 8, la chaîne Sport, la chaîne BFM 12, enfin, RTL 9, enfin tout, okay, tous les trucs. L'adaptateur TNT, il est intégré dans cette télévision. Il est intégré. Ça devient un, devient un adaptateur. Et ça, regardez, avec une petite antenne comme ceci. L'intérêt du système... Essayez celui-là. Je vous jure aussi, il marchait tout à l'heure. Hein, c'était top class. Un autre truc. Mais attends, Jérôme, faut rien acheter d'autre. T'achètes juste cet appareil qui l'a planqué. On n'en parle plus de cet appareil. Juste ça, ça suffit. Autre chose, vous avez un ordinateur. Vous êtes cadre dynamique. Ça, ça coûte 60 euros. Ça, vous le mettez un petit peu en hauteur pour avoir une bonne réception. Ça, vous le branchez sur la clé, sur la prise USB de votre ordinateur. Pouf, comme ceci. Et ça y est, vous regardez la TNT, qualité numérique, sur votre ordinateur, y compris sur un portable. Il y a un modèle, celui-là, qui coûte 70 euros. Il y en a un modèle un petit peu plus petit. Regardez ça. Il va piquer l'autre. Vous m'en fichez. Il pique tout. Ça, c'est encore mieux. Hop. Ça aussi... Vous l'en fichez sur, sur le port USB de votre ordinateur, vous le branchez soit une antenne de télé normale, soit la petite antenne comme je vous ai montré, ce type-là, et ça fonctionne, on a la télé. Et ça augmente. C'est génial. Chaque jour, on voit des trucs. Attendez, c'est pas fini. Si vous avez vraiment... mauvaise réception, il vous faut une antenne un peu plus conséquente que celle-là. J'ai ce modèle-là. Ça, c'est pas con parce que... Ça, il n'y a pas d'écran, on voit rien. Ouais, mais ça, c'est une antenne. Ah, d'accord. Et vous dites, ouais, mais elle est bien, mais elle n'est pas très belle comme antenne. Regardez l'idée maligne du truc, c'est que vous prenez ceci, vous mettez une photo de l'être aimé, par exemple, une charmante petite fille, pof, vous foutez... Oh, la fille de Charles Hudon. Oui, vous l'avez reconnu. Quelques vis, hop, Julia. Et ça, pardon, sur la télé, ça fait un cadre. C'est un cadre... Tu pourras mettre Adeline dans... T'as raison! Parce que moi, au moins, ma femme, elle rentre dans le cadre. Chérie, si tu nous écoutes! Je voulais juste vous montrer l'avenir de la TNT. L'avenir de la TNT, c'est maintenant la DVB-H, une sorte de TNT mobile, sur un simple appareil téléphonique avec une petite antenne comme ceci. Quand vous êtes dans une bonne zone de réception, vous pouvez recevoir aussi la télévision. Le problème, c'est toujours quand vous êtes dans une bonne zone de réception. Ça, c'est le problème. Ah, voilà. Regardez, regardez la beauté de cette image. Regardez le piqué de cette image. C'est quand même assez impressionnant. Hein. Oui, oui, ça, c'est une émission en direct, l'une des chaînes. C'est quelle chaîne, là? C'est France 2? Je crois que c'est France 4, celle-là. Non, on devrait être dessus, non? Zappez, voir, zappez, voir. Vous voulez que je zappe? Oh non, je zappe pas. Ah, mais si, prouvez-nous, c'est compliqué. Prouvez-nous si on a toute la magie. Comment on peut zapper, alors, justement? Alors, on zappe ici en allant chercher les chaînes. Voilà, parce que ça marche très bien. Enfin, voyez, oh, j'ai retrouvé la même. C'est pas grave. En gros, vous avez... J'étais content avec sa chaîne. Il sait pas comment on zappe. C'est bizarre, ça revient la même image au début. Il y aurait de l'arnaque là-dedans. Je suis sûr que c'est toujours le même chat. Dans la même posture. Non mais attendez, il nous prend pour des cons. Ça se trouve, il m'a refilé un truc là. Non, mais, c'est un batteur pour faire monter les ordres. C'est pas commercial, Bonaldi. Hein. Non, il y a... Oh, l'escroc. Non, il y a une tradition, c'est que ça marche en direct, ça marche à la répète, mais ça marche jamais en direct. Voilà. Donc c'est vrai. Oh, regardez. Oh, c'est un escroc, Bonaldi est un escroc. Non. C'est pas vrai. Je ne suis pas un escroc. Ah non, non, si. Ah si. Vous avez tenté de nous faire croire que c'était la télé en direct et c'est pas la télé en direct. C'est un magnétoscope. Je demande un droit de réponse. Ça fait des années que je fais ce métier, ça marche toujours, le répète, ça marche jamais en direct. Donc c'est vrai que j'ai triché, j'ai enregistré l'émission de télévision. Parce que ça peut enregistrer aussi. Pour être au moins sûr que ça marche au moins une fois dans ma vie. En général, ça foire tout le temps. Mais il y a 500 personnes à Paris qui sont bêta-testeurs, qu'on appelle comme ça. C'est-à-dire des gens à qui on a prêté... C'est nous les bêta-testeurs. À qui on a prêté... Les bêta tout court, oui. À qui on a prêté un téléphone de cette marque ou bien un téléphone de cette marque et qui peuvent témoigner qu'en ce moment, oui, virgule, à Paris en tout cas, il y a le DVB-H qui marche et qu'on peut regarder la télévision, qu'on voit même la télévision en direct. Et on voit toutes les chaînes de la TNT. Je crois qu'on t'appelle, Oui, d'ailleurs, on vous appelle. C'était Jérôme Bonaldi. Je récupère mes affaires. Récupérez vos affaires. Voici le tout à vu qui, tout à vu quoi. Myriam,
Vous pourrez repartir avec ce cadeau de Jérôme Bonaldi si vous répondez bien, allez, à une question du qui a vu qui a vu quoi. On regarde quand même le classement de mes petits camarades. Stevie est toujours en tête, poursuivi par Jean-Luc Lemoyne à 2 points. Jean-Luc peut passer en tête ce soir. Dans le classement, je le poursuis. Oui, à l'évêque, c'est pas mal, 5 points. Il y a beaucoup de 2 points, regardez, à égalité. Vous avez Jean-Benguigui, Christine Bravo, Sophie Garel. Perry est au-dessus d'eux avec 3 points. Première photo. De quoi s'agit-il? C'est Frida Kahlo. C'est un tableau de Frida Kahlo. Oui, et alors, mais qu'est-ce qui se passe autour? Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Oui. Une expo? Non. C'est un tableau qui a été volé? Non. C'est une reproduction? C'est bien un autoportrait de Frida Kahlo, oui, la célèbre peintre mexicaine. Mais. C'est un autoportrait posthume. Je croyais que c'était Emmanuel Chabot. C'est une publicité pour le basilic. Qu'est-ce qui se passe autour de cet autoportrait? Qu'est-ce qui se passe? Il a été récupéré. Il est en vente aux enchères. Voilà. Excellente réponse de Christophe Alévèque. Et ça pourrait être un record de vente pour un tableau de Frida Kahlo. Il est daté de 1943 et il pourrait atteindre 7 millions de dollars. Il en faut du temps pour gagner. Photo ça. Suivante. Alors, c'est le russe le plus riche. Ben, qui est ce monsieur? Il est français? Français, oui. Il a dirigé une manifestation, il était en... Qu'est-ce que vous appelez manifestation? Des gens qui sont en groupe de gens. Ah non, non, une manifestation, on va dire culturelle. Ah, ils vendent aux enchères quelque chose? Non. Ça concerne la culture, la peinture? Pas la peinture. Le théâtre? Non. La musique? Non. L'architecture? Plus près de la peinture? La sculpture, la photo. L'environnement, de le faire des installations. Qu'est-ce qu'il y avait le week-end dernier? Maison et objets, les salons à ville peinte. La BD. C'est le vainqueur du prix d'Angoulême. Bravo, Jean-Benguigui. Lewis Trondheim. Grand prix d'Angoulême au festival de bande dessinée. Photo suivante. Ça, c'est Angela Merkel. Alors, effectivement, c'est la chancelière allemande. Et regardez, quelqu'un passe son bras autour d'Angela Merkel. Chirac. C'est le médecin qui va la faire maigrir. Non. Est-ce que c'était quand elle était en France? Non. C'est un chanteur? C'est un chanteur, vous devriez trouver, alors. Doc Gynéco? Non. C'est Bono. Un chanteur Monsieur français? Bono. Bono, excellente réponse de Jean-Benguigui. Alors Myriam. Elle ne connaît même pas, mais si, le chanteur de U2. Alors, Bono. Enfin, U2, mais... C'est à Davos, ça, oui. Bono, de son prénom Jean, hein. Ouais, Jean Bono, oui, bien sûr. Voilà. C'est bien ça, Christophe, c'est bien. Bon, les vendredis, c'est ravioli. Photo suivante. C'est le fils de Yoko et de John Lennon. Parce qu'ils vont faire un spectacle au Châtelet. Excellente réponse de Christophe Alévèque. Un point. Ben voilà. Je suis désolé, vous ne repartez pas avec le téléviseur. On vous remercie, Myriam, Abel. La vie devant toi, le premier single s'appelle Donne. Demain, on a tout essayé, c'est samedi. Notre invité sera Francis Huster.